Tout d'abord, merci au président de la Fédération royale marocaine de football, M. Fouzi Leja, pour avoir invité la secrétaire générale et puis l'administration de la FIFA à cette réunion de travail qui rentre effectivement dans le cadre du partenariat gagnant-gagnant entre la FIFA et la Fédération royale marocaine de football. Nous sommes venus donc sur l'invitation du président, d'abord pour présenter l'équipe de la FIFA qui est en charge de mettre en œuvre les programmes de développement, notamment la personne de M. Kenny qui découvre ce centre pour la première fois. On a profité aussi de l'occasion pour amener Mme Sarah Ibareman qui est la chef du football féminin chez nous, puisque nous savons que le Maroc est à l'avant-garde pour le développement du football féminin. Et nous sommes aussi venus avec le chef du département légal et conformité de la FIFA. Pourquoi cette visite? D'abord, c'est un plaisir de voir que le chantier qu'on a eu à visiter il y a un peu plus d'un an ne s'est pas arrêté et qu'il y a un projet d'extension pour amener tous les acteurs du football sous le même toit, avec l'ouverture aussi d'un musée du football qui va être quelque chose, je pense, d'extraordinaire pour le Royaume du Maroc. Et nous sommes venus aussi montrer à l'administration de la FIFA qu'en Afrique, il y a des pays qui tiennent le lead en matière de développement du football à tous les niveaux. Et que l'exemple du Maroc que nous voyons aujourd'hui est quelque chose qui doit faire ému et qui doit inciter les autres fédérations africaines à être à ce niveau-là. Quand on vient dans ce centre, on ne se croit même plus en Afrique. On a l'impression qu'on est quelque part ailleurs et non, on est au Maroc avec une empreinte bien africaine et avec aussi toute cette disponibilité totale de la fédération vis-à-vis de la CAF et vis-à-vis de la FIFA qui vont aussi avoir un bureau conjoint ici. Donc moi, mon message est très simple. D'abord, c'est bravo à la Fédération royale marocaine de football pour ses efforts avant-gardistes pour le développement du football et surtout le football féminin. Et nous tenons à ce que cet exemple puisse aussi servir de modèle dans tous les autres pays, en Afrique et aussi dans le monde.